Hello les amis, c'est Floridark, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va plutôt nickel aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous, le troisième épisode après les galères connues dans les deux premiers épisodes. J'ai pu un peu me faire la main sur le jeu au niveau des commandes de base, donc de vol, etc. Donc j'ai fait quelques missions. La mission que j'avais commencé dans l'épisode d'avant, je n'ai pas pu la finir parce que du coup j'avais arrêté les enregistrements, j'en avais fait que deux à la suite. Et puis après, comme c'est 24 heures une mission, c'est le délai possible pour la faire, après elle disparaît. Donc du coup je n'ai pas pu la faire, j'en ai fait d'autres en live parce que j'ai fait un petit live hier, il n'y a eu personne, hein. Voilà comme d'hab, c'est pas grave ça, mais en live. Et donc j'ai pu me faire un peu la main sur les commandes, etc. Quelqu'un m'a donné des conseils sur surtout la map que j'ai en bas, en fait, je commence un peu plus à la comprendre. Donc là dans cet épisode on va se faire des missions, donc comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble de finir une mission. Que j'arrive mieux à gérer mon vaisseau aussi, vous allez bien voir ça. Et puis voilà, on va du coup essayer de se trouver. Alors attendez, on va essayer de se trouver une base spatiale. Du coup, ici il y en a eu. On va aller à Jango Dock. On va aller là-bas. Hop. Allez, c'est parti. Du coup, là vous voyez, j'ai une boussole qui vient d'apparaître en haut à gauche de ma map. Et il faut que j'essaye de centrer mon point. En fait, mon point, c'est la destination, là où j'ai sélectionné. Voilà, et comme vous voyez, quand on le met au milieu, ça le met tout droit face à nous. Donc, on va accélérer, on va partir. On va passer en je sais pas quoi, super navigation, je crois que ça s'appelle comme ça. Aligné, aligné avec vecteur d'évitement. Ah, je sais pas. Ok. Bah, attends. What the fuck? Pourquoi je n'arrive pas? Température à 100%. Oh putain. Il se passe. J'ai un souci là. J'ai un problème. Mon vaisseau il est en train de surchauffer. Faut qu'on se barre de là. Oh là là, température à 100%. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'étais à côté d'une naine. Une naine noire. Ah bah oui, c'est vrai. Une naine brune. Du coup, oui, c'est sûr que c'est chaud. C'était juste. C'était bien parce que c'était beau, mais en tout cas, ça chauffe très très fort. Donc, on va là-bas. On peut pas accélérer plus pour l'instant. Vous voyez que je commence à gérer un peu plus les manœuvres maintenant. Malheureusement, j'avais juste un petit souci avec le soleil qui était à côté. J'espère que j'ai pas trop surchauffé. C'est pas très grave. J'ai pas de. Là, je pense que j'ai pas de problème. Donc. Là, du coup, on voit notre vitesse qui augmente à chaque fois. Vous pouvez le voir, la vitesse, c'est la petite jauge à droite de la map. Donc là, ça, 4C, je sais pas ce que c'est, 5C. C'est, je sais pas à quoi ça correspond. C'est milliards, je sais pas, milliards de kilomètres. Je pense que c'est peut-être ça par seconde en fait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on s'en rapproche très vite du coup de Jango Dock. Et j'ai des missions ici même à faire. Mais j'aimerais bien aller voir à Jango Dock avant si je peux aller les payer. Non, pas payer, parce que je sais que j'ai une amende, mais je sais pas comment la payer en fait. Regardez, j'ai une amende ici. Hop. Amende. Il faut que j'aille à Styx Progressive Party. Il faut que j'aille à Styx pour la payer, si j'ai bien compris. Ok, donc là on se rapproche très vite de notre destination. On va passer en caméra libre. Donc vous allez peut-être voir. Je sais pas si on peut encore vous. Ouais, si on peut encore voir là où on était. Donc nous, on était là-bas, je crois. Avec la naine... La naine... naine oula, un peu bugué. Avec la naine, plutôt. Ouais, c'était là-bas. C'était quelque part par là, quoi. Oui, tout droit là-bas. Ok, alors par contre, on va éviter de... Voilà. Parce que si on va trop vite, on loupe la sortie. Et du coup, bah, il faut faire demi-tour. Allez, ça continue à augmenter au niveau de la vitesse. Là, on va très vite. On va très très vite. On peut pas aller en allumière, parce que là, les allumières, c'est pour changer de système solaire. Donc, on peut pas le faire. Hop. Du coup, qu'est-ce que je peux regarder en attendant? La galaxie. On est dans quelle galaxie, là, d'ailleurs? Alors, on est dans la galaxie... Chi... Ah non, attendez. Non, on est à... On est à Boutis. Et moi, j'aimerais aller du coup à Styx. Et on va aller payer notre amende là-bas, du coup.
Bah vous savez quoi, on va même faire ça tout de suite. On va éviter d'aller, on va pas aller là-bas du coup. On va aller, hop, on va aller vers Styx. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Hop, c'est ça. Voilà. Hop, on va aller à Styx du coup. Hop, Styx. Du coup, c'est où? Styx, c'est par là-haut. Voilà, on va aller là-bas. On va se faire un saut en hyperespace. Voilà, c'est parti. Parce que Styx, en plus, il faut que je me pose là-bas. Donc, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, j'ai une amende et je crois que c'est que dans ce système solaire-là que je peux la payer, si je dis pas de bêtises. Engage, c'est parti. Avec la manette qui tremble, j'adore. Hop, ok, on est arrivé. Hop, voilà. Donc, carte du système solaire. On va aller sur une base, du coup. Ah oui, non, Stick, c'est vrai, c'est des. C'est des stations un peu bizarres. On va aller à celle-là, c'est la plus proche. Hop. Ok, on va là-bas. Décélérer, décélérer. Ah, j'ai loupé la sortie, je crois. Je crois que j'ai loupé la sortie. On va essayer de se mettre au plus proche. Sans lui foncer dedans non plus, c'est pas le but. Ok. Voilà, je l'ai loupé, c'est pas très très grave. On a juste à faire demi-tour. Voilà. Vous voyez, on n'est pas très très loin. Donc, on va réaccélérer maintenant. Voilà. Je crois que je vais encore la louper si je dis pas de bêtises. Eh, je l'ai loupé! Je suis pas doué! Voilà. Mais au moins je sais déjà me. Je sais bouger un peu dans l'espace maintenant, alors qu'avant j'y arrivais vraiment pas. Ok, prêt à désactiver. Voilà, on désactive. Et on va être à côté de la station du coup maintenant. Voilà. Donc on va accélérer. On va demander un appontage du coup. Hop. Boy terminal. Demande d'appontage. Voilà. Donc 2. Plateforme d'atterrissage 2. Donc allez là, allez en surbrillance. Et vous allez voir aussi, maintenant j'ai un peu plus d'expérience au niveau de l'atterrissage. J'y arrive beaucoup mieux sincèrement. Vous allez voir. Alors du coup, faut que je me mette dans cette direction-là. On va juste freiner un petit peu. Parce que sinon on va leur rentrer dedans. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Dans ce sens-là, il faut se mettre. Hop, on va y aller doucement. Oui, les trains d'atterrissage, par contre, ça, j'ai oublié. Je les oublie souvent. Heureusement qu'ils me le disent. On va se mettre déjà bien face au truc. Voilà, c'est bon. Et voilà, là, je suis aligné. Voilà, et là, on n'a plus qu'à descendre. Et voilà! Service du statioport. Donc, on rentre dans le statioport. Je pense que je vais payer mon amende. Du coup, je vais pouvoir la payer ici, je pense. Donc, il faut que j'aille. Alors, déjà, on va faire le plein. Hop. Voilà, on a fait le plein. On va réparer aussi notre vaisseau, parce que du coup, il avait pris cher. Après, c'est dans contact. Amende à payer. Voilà. Toutes les amendes cumulées. Payé. Voilà, donc les amendes sont payées, il faut aller dans contact et après on paye les amendes. Tableau d'émission, on va regarder si on n'en a pas d'autres possibles à faire. Mais de toute manière, on ne pourra pas toutes les faire maintenant dans cet épisode-là, c'est sûr et certain. Ok, celle-là, non. Faut que j'aille où? À Olin. Olin, je crois que c'est pas très loin. On va l'accepter, celle-là. Hop. Voilà. Après. C'est où ça?
LP 98. Ouvrir la carte de la galaxie. On va voir si j'en avais pas déjà une de sélectionner là-bas. Ça me dit un truc, LP 98 132. Eh oui, j'en avais déjà une. Donc du coup, on va la faire. Hop, accepter. Ça, c'est des missions de. Faut juste se poser dans la station en question et puis ça vous donne des crédits, donc c'est pas mal. Livraison de données sur IA. Sur IA. Et du coup, oui, je vais faire un live cet après-midi. Je sais pas si cette vidéo aura le temps de sortir avant de. Voilà quoi. Attendez. Ok, sur IA, je peux y aller. Très bien. Je sais pas si cette vidéo elle sera sortie avant cet après-midi, mais je vais faire un live. Donc, livraison de données économiques. Ça, je ne sais pas où c'est. Ça, c'est sûr, j'en ai pas d'autres. Keris. Alors, Keris. Est-ce que je peux y aller? Je peux y aller à partir de All-In. Ouais, à partir de All-In, je peux y aller. Ok, on commence à avoir pas mal de missions actives, mais c'est bien. Moi, je dois aller où du coup? Là, moi, je vais aller ici. Après, je vais aller à Surya. Mais à Surya, je peux pas y aller en fait. J'ai l'impression. Je l'ai prise, mais. Opala. Ouais, bon, on va voir. Du coup, on va l'accepter quand même. Allez, accepte ça. Voilà, on prend toutes les missions possibles quand même. Non. Voilà, bon, du coup, on a réparé tout ça, on a payé notre amende, on va décoller et on va aller dans le système où j'ai ma mission et comme ça vous allez voir quand on gagne de l'XP, enfin de la réputation, l'argent, etc. Hop, on décolle. Hop, voilà. Du coup, maintenant... Il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Celui-là, j'ai beaucoup de missions du coup. On va ouvrir la carte galactique du coup. Pour commencer. Puisqu'on va aller dans la station la plus proche. Alors, du coup, ici, j'en ai beaucoup à faire. Mais moi, je vais commencer par celle-ci. Voilà, comme ça sera fait. Oui, si donc, Surya, on peut y aller. Et LHS. LHS, j'aurai plusieurs sauts à faire. Ah oui, non, mais je peux vraiment pas y aller en fait. À moins que je passe. Alors attendez. LHS, c'est quoi la destination? LHS, faut que j'aille à Chi Herculis. Après à Opala. Après à Ovid. Et après LHS. Ok, bon, c'est pas grave. On va la faire. On va la faire quand même, c'est pas grave. Du coup, moi je vais aller ici. Voilà. Donc c'est Chi Herculis. Hop, on la cherche sur la boussole. Comme ceci. Et on va y aller en saut année-lumière. Saut hyperespace. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, vraiment, hein, je commence à peu près mieux comprendre les touches, etc. Pour l'instant, je fais pas de combat, je fais que de la livraison. Je pourrais commencer à faire des combats quand j'aurai assez d'argent pour acheter des canons nécessaires au combat, justement. Hop, c'est parti. Alors, par contre, le système, j'ai pas vu, parce que je le connais pas encore ce système, j'y suis pas allé. Donc, je ne le connais pas, je sais pas quelle étoile c'est, ça a l'air d'être une étoile blanche. Ok. Ok, alors je vais juste m'approcher un tout petit peu, si possible. Un tout petit peu, j'ai dit. Oups. J'ai dit un petit peu, pas beaucoup. Parce qu'on peut les... Oh merde. Oh merde, j'ai fait le coup. Non! Je pensais qu'on pouvait les scanner, des fois ça les scanne. Bon, c'est pas grave. Surcharge, surchauffe, etc. C'est pas très très grave. Ah, le fail! Le fail. Mince, c'était pas ça que je voulais faire. C'était R3. Wow. Purée. C'est énorme. C'est énorme. J'adore. Vraiment, j'adore. Alors, il est où mon vaisseau? Ah merde! Ah! J'ai mis les trains d'atterrissage. Très bien. Alors non, on va les retirer tout de suite. Hop. Ok, donc il est actif maintenant. Il faut que j'aille dans quel...
Base du coup, dans quelle station? Alors c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Non. Non plus. Alors, c'est Chi Herculis, c'est celle-là. Gemar Orbital, faut que j'aille. Faut que j'aille à Gemar Orbital. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, Gemar Orbital, il est où? Gemar Orbital, il est ici. Verrouillé et activé. Ah, j'ai sorti les. Ok. J'ai sorti sans faire exprès mes canons, très bien. On va les ranger. Alors, du coup, hop, on va le viser. Voilà, c'est là-bas. Ah oui, donc on va frôler le soleil en plus. Aligné avec le vecteur d'évitement. Comment ça, il y a un vecteur d'évitement là, aligné? Ah ouais, parce que je vais passer trop proche du soleil sinon. Ok. Engage. Hop, voilà. Et là, normalement. Ah oui, je suis encore à température 100%, mais what the fuck, pourquoi? Ah, je passais trop près du soleil. Encore une fois. Bon, bah, c'est pas grave, je vais devoir le ré-réparer mon vaisseau. C'est pas très très grave. Allez. On y va. On va à Gemar Orbital et vous allez voir notre première mission ensemble pour valider une mission. Donc là, on peut pas sortir les canons, je crois. Non, là, on peut pas sortir les canons quand on est en mode rapide. Comment il s'appelle ce mode d'ailleurs? Super navigation. Quand on est en mode super navigation, on peut pas sortir les armes. Donc du coup, ici, au niveau de, vous voyez, au niveau à droite de mes boucliers, il y a des systèmes et on peut les modifier. Du coup, moi, je retire les armes puisque comme je fais que des déplacements, je mets tout en moteur et en système et les armes, je les retire. Ok, alors là par contre faut freiner. Oui, c'est bon, j'ai décéléré. Oh oh. Encore une fois, je vais louper la sortie. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop, demi-tour. Hop. Ouais, on réaccélère, on n'est pas trop trop loin, ça va. Oui. J'ai encore loupé la sortie. J'ai du mal encore avec ça, la jauge. Oula, on va pas foncer dedans non plus. Hop, voilà, ça c'est fait. En fait, faut y aller à tâtons. Mais là, comme je parle, des fois, je fais pas attention à ce que je fais. Voilà, là, on accélère un petit peu. Et là, on refreine. Je vais toujours pas réussir. Hein. Ah, quoique. Si, c'est bon. Ça va le faire. Hop! Et là, on sort de la super navigation. En fait, c'est quand on est à moins d'un million de kilomètres secondes, on peut sortir de la super navigation. Ok, donc. Wow. Ok, bah on va demander un appontage. Hop. Gemar Orbital. Demande d'appontage. Ah oui, il faut être un peu plus proche. Ok. Voilà. Du coup, demande d'appontage. Voilà. Alors, station numéro 1. Par contre, les stations sont où en fait là concrètement? Non, c'est pas là. What? Attendez. Parce que là, j'avoue que c'est la première fois que je vois cette station. Je connaissais pas cette station et du coup, je sais pas où il faut que j'aille pour appontager. Regardez là-bas, on dirait la Terre. On dirait la Terre avec la Lune en plus. Waouh. Faut que j'aille par là, c'est ça? Ok, c'est bien ça. Donc station 1. Enfin plateforme 1. Ah, il faut que j'aille là. Ok. On va pas sortir tout de suite les trains d'atterrissage. Pourquoi j'arrive plus à avancer? Ok. Oh oh, doucement. Ok.
La une est où, du coup? La une est ici, très bien. Donc on va y aller. On va sortir les trains d'atterrissage tout de suite, sinon je vais les oublier encore. Ok, c'est bon, ils sont sortis. Hop, mince. Ah, arrête, arrête. Ah, j'ai touché avec mes trains d'atterrissage, c'est pas très grave. Ça sert à rien. Voilà. Alors, service du Stationport. Donc, on va dedans. Gemma Orbital, bienvenue. On va faire le plein. Ça, c'est le réflexe qu'il faut avoir. De manière, c'est en surbrillance bleue à chaque fois, donc on peut pas le louper. Ok. Tableau d'émission. Et là, livraison de données économiques. Et vous avez juste à appuyer dessus, récupérer récompense, et il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà. C'est ce genre de succès qui a permis notre boom économique. Excellent travail, commandant. Voilà. Et du coup, on gagne de la réputation, on gagne de la réputation de superpuissance, l'influence Boutis, on gagne aussi. Boutis Central Limited connaît une forte croissance qui pourrait déboucher sur un boom économique. Effet, Chi Hercules Gold Public X connaît une forte croissance qui pourrait déboucher sur un boom économique aussi. Et voilà, et vous avez été crédité en haut à gauche de votre récompense, de votre argent. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres ici, des missions. 14 Hercules. Voilà, accepté. Parce que c'est pas loin, on a des lumières. Hop. Et puis voilà. Bon, les amis, moi je vais vous laisser là. Dans cette station. Quoique, on va regarder les vaisseaux avec vous ensemble. Parce qu'il y a des stations qui n'ont pas certains vaisseaux en fait. Je me suis déjà fait avoir. J'avais un vaisseau que je voulais acheter. J'avais assez, du coup, avec le live que j'avais fait hier. Sauf que, bien évidemment, cette station ne me proposait pas de vaisseau. Ok, alors celui-là, il coûte super cher, 75 millions. Et non, du coup, moi, c'est pas ça que je veux. Ça, c'est quoi, du coup? Grand vaisseau cargo fabriqué, capable de transporter un chargement important. Ouais, d'accord, ok. Donc, ça veut dire que c'est pour les gens qui font des missions de livraison. Donc, les amis, j'espère quand même que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le tourner, encore une fois. C'est quand même un jeu que j'adore. Je suis fan. Sincèrement, je suis fan de l'espace en général. Et puis, du coup, je prends énormément de plaisir à jouer à ce jeu. N'hésitez pas à liker l'épisode, à le partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Instagram, c'est dans la description. Moi, les amis, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4. Salut!